Ami, entre nous, c'est avec plaisir que nous avons la CAO aujourd'hui pour nous présenter une nouvelle édition ça, de Entre nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pas fait tellement parler en pile en Haïti, mais et qui a dû intéresser tout le monde. Et comme d'habitude, pour présenter Shoah, et bien Cavalier Paul Camoin, et partenaire en crime moins, et amis de tous les temps. Vlad Figaro, que nous dit salut et bienvenue dans Entre nous. Vlad. Bonsoir Vlad, bonsoir à tout auditeur entre nous, tout le monde qui est fidèle, tous les amis qui est toujours présent dans la discussion, ça qui aide à alimenter. Je dis avant que je t'abdille là, un sujet peut-être pas nommé, pas verbalisé, mais autrement important, c'est parler de délinquance juvénile, pour une citer, pour nommer donc sujet ça. En Haïti, plus précisément, nous allons parler de par le monde, qui ça, qui impacte les gens, donc, et puis qui soucie, puis qui élément, comment nous t'a peut-être aidé contre Carélie, qui a venu pour nous explorer. Et avec nous, donc, comme invité, jeudi, hein, nous gagnons deux habitués Shoah, nous gagnons Nody Guerrier, et puis James Saint-Paul, tous les deux, Nabdi, bonsoir, messieurs. Voilà, et voilà. Bonsoir, Vladimir Laguerre. Bonsoir, Vladimir Figaro. Bonsoir, Monsieur James. C'est un plaisir pour moi d'être avec nous aujourd'hui. D'accord. Et en premier lieu, et pour nous capables bien cerner ça, parce que nous ne pouvons pas parler de délinquance juvénile et nous ne pouvons pas entrer dans le sujet à, et direct, direct, parce que gain sous Haïti. Parce qu'il y a des séries de données que nous n'avons pas. Et par exemple, nous n'avons pas de statistiques combien de personnes qui ont la délinquance juvénile, combien de personnes qui ont incarcéré, pas mal de documents qui font nos défauts. Donc, nous allons parler du sujet d'une manière générale. Et donc, pour nous lancer, et la première question, c'est qui ça, délinquance juvénile là? Et qui a défini délinquance juvénile là? Et pour mon cap suivre Shoah. On qui mon cap qui va l'avant et Bon, quatre, je sais, je Nody, t'ai James. m'a cédé la parole à M. James. M'a réagi après. James. Il y a délinquance juvénile, c'est un mot. Son mot, on va presque tendre. Pas du sujet en tabou en Haïti, non, c'est pas facile. C'est seulement qu'on entend dans le milieu haïtien, en Haïti, son petit délinquant. Mais on bon facteur, on bon bagaille qui commençait depuis la prénaissance jusqu'à ce que Timoun l'a fait, les 5 premières années pour arriver jusqu'à ce que soit bien cerné, il y a 14-15 ans, des retombées qui sont extrêmement difficiles qu'on y a à redresser. Délinquance juvénile, c'est en un mot, c'est certaines réactions, ou du moins, c'est des. On va parler de comportement, mais si on est tombé dans des bagailles là, fait, qui pas. Qu'on a le formandé, côté le joint, parce qu'on pas. Entraîner tout le monde pour la bail, ça la bail, comme si à l'âge de très tôt, il commence à boire, de très tôt, il commence à boumer dans la rue, on n'a pas rentré là, car il y a autant de bagailles que réactions que le fait, et que non, on manque de respect à l'autorité, première autorité en qui famille, là, et à l'autorité autour de lui. Un bon comportement. Qui a l'encontre d'une norme, un petit monde est capable de bailler, que petit monde a commencé à bailler. Merci, James. Dodi. Bon, eh bien, m'a peut rejoindre M. James. Et de la case juvénile, c'est. Oh, on brûle dans des larmes, par contre, bon. C'est en quantité de déviation que Timoun
que nous considérons comme un pays des jeunes, eh bien, il y a une quantité de déviation par rapport à normes qui est établie, par rapport à sa société à admettre comme valeur, comme acceptable. Et toute valeur, ça, ils transmettent via plusieurs institutions, ils transmettent via l'école, via la famille, ils transmettent tout via les médias, ils transmettent via les églises. Mais, Jean, M. James Sotdili, en pile fois, nous constatons qu'il y a des gens qui ont des comportements qui viennent en marge de sa société à mettre comme ligne à suivre, comme marche. Et ça, c'est des bagages qui sont assez fins. Malheureusement, nous n'avons pas des spécialistes avec nous là tout pour parler de ça, mais il y a une quantité d'explications. Et qu'on est capable de joindre des psychologues qui travaillent, qui spécialisent dans la question enfance et adolescence, pour qu'ils soient capables de nous comprendre. Mais nous, quand même, frotter l'esprit nous pour nous réfléchir sur ça. Mais c'est clair que on a parlé de une quantité de déviation de timoun qui comportaient comme des marginales par rapport à normes qui établies, par rapport à sa société à attendre. Non, mais. Donc, à ce moment-là, nous parlons de délinquance juvénile et ça mène à des conséquences très graves pour la société, pour la famille, pour tout le pays. Voilà, et merci. Donc, Vlad et Figaro, bah, on est, et si vous voulez ajouter. T'as pas ajouté éventuellement dans ça, James, avec nos Didier, hein, que par rapport à déviance jeune Zayo, c'est pas pour nous prendre bien, c'est pas forcément une déviance par rapport à choix orientation sexuelle ou encore artistique ou façon que habillé. C'est plutôt par rapport à ça qui acceptable et lié au domaine du bien, de la moralité, mais aussi du monde de la criminalité, des crimes et des délits. Donc, vous pensez deux volets, ça, il faut le souligner, parce que vous pensez qu'il y a associé à une notion de faire du mal à autrui, notamment. C'est de ça que nous avons vraiment tourné en délinquant, pas respecter bien public, pas respecter bien privé. Ça, je pense que tu as contribué à définition en tout. D'une manière générale, nous capables de dire que délinquance là orientée plus vers le privé, mais nous joignons tous des délinquants qui ne pas respecter les choses publiques et puis qui ont tendance à anarchiste, la caillou, qui a remis tout bas en question. J'en dis un. Il n'est pas arrêté au point de vue philosophique, de discussion et de rhétorique. Il est vraiment bon aspect côté il est proche de la criminalité et et des délits parce que il a un aspect physique et au attaquer à du monde ou à des choses. D'ajouter ça pour compléter. Merci Vlad. Et dans la recherche que je fais, moi, et dans l'encyclopédie Larousse, je définis délinquance juvénile en tant que, pas définie, on dit que ensemble et facteurs qui lient ensemble avec lui, ils considèrent qu'il y a plusieurs facteurs, mais qui résumé en trois grands groupes, qui c'est facteurs psychologiques, même de adolescents, et fragilité li. Et puis, on parlait de facteurs familiaux, il parlait des facteurs sociaux, et en particulier et la vie scolaire de l'enfant. Et puis, en dernier lieu, on parlait, et Jacques a parlé en police tout à l'heure, de facteurs économiques. Donc, qui ça qui est à la base exactement de qui ça qui a fait un petit monde vin délinquant? Est-ce que nous parlons tout d'abord avec l'aspect environnement? Environnement, milieu, côté Timona, il a évolué. Est-ce que, je te dis, l'homme est le produit de son milieu? Et pourtant, il y a des gens qui fêtent Cité Soleil, il y a des gens qui fêtent et grandissent Village de Dieu, il y a des gens qui fêtent et grandissent Gravine, qui pas délinquant. Il y a des gens qui fêtent et grandissent
et dans le quartier, ça n'est le quartier bourgeois yo, en Haïti, qui est délinquant. Donc, et comment aspect environ et comment environnement li affecté et les toucher problème ça les liés à problème délinquance juvénile là. Ok, mba konen talen nou te fon ti pale, milye ambyan li joun rol ekstraordinèr. Nou joun anpil delinkans juvenil ou sen de low income family, moun ki bagen income, jom tap jou lan, zip kote kote moun nan rete, li joun faktèr terib nan edukasyon ti moun nan, nan jan ti moun nan ap soti tout. Nou kompran ke et li gon l'autre facteur encore si maman te kon bran pil tafia si maman te kon fume pil drogue bagay sa affecté ti moun nan les 5 premières années ti moun nan nan child care côté ti moun nan ki doit gen bon soin dans sens ou là pour li mais si child care nan et côté environnement là aller tout bagay sa yo affecté ti moun nan avec te développement ti moun nan et le yo commencé yo komanse rebounds le yo komanse gen 14-15 ans. Gon lot bagay an kon faktor ki jou an wol importan tou. Se ti moun kap fè ti moun. Ti moun kap fè ti moun lan son lot bagay an kon. Kote li pa menm bien ekilibre li menm. Se ti moun li tou va fè de bagay adult. Tap gen de responsabilite adult. Que bagay. So ti moun sa yo, ti moun, so tan de faktor, zoning kote l soti yan, faktor ki jan, paran, te ye pandan tan sent nan, paske bagay sa yo, ou gen wwa, you know, depi avan nesans ti moun nan gen wwa afekte. So tan de bagay ki fe ke talen ma vina kwek kelke chifa. Autant de barrages sont capables de bloquer le bonheur, la empêcher et gouvernement à dépenser plus demain, s'il était capable d'investir dans 5 premières années pour bloquer, pour ne pas arriver dans un point terrible. Merci, James. Bon, pour facteur, je suis bien content de mentionné, il y a des facteurs psychologiques, il y a des facteurs économiques, il y a l'environnement. Et l'affaire qu'on est que si on a débuté en vente pour niveau environnement et psychologique, là, débuté en vente, les cas commencent à affecter. Et Jean, M. Saint-Paul dit, là, 5 premières années, c'est bien fondamental dans l'éducation. Moun, elle dit, de vous rater 5 premières années, ou sans se gagner plus de chance pour rater moun nan. Parce que ces bases-là, si on va nous comprendre, c'est comme si on fait un caille, on construit un caille, et pour rater fondation. Donc, pour pas bien faire fondation, caille ou pas le faire, on a besoin de trop espoir sur lui, il va vider avant même qu'on finisse de construire. Et ça, l'image, ça, il paraît matché avec exemple. Monsieur Saint-Paul James te dit, elle dit, Timoun ka fait Timoun. Timoun ka fait Timoun, c'est carrément en situation comme ça. C'est quoi son kay pendant à faire les vides tomber. Pendant à construire les tomber. Parce que base là, te gèt pas bon. Il dit, pourquoi même fin construit pour le servir, les tomber. Et depuis la vente, lorsque on moun ka poton petit, la vive des situations qui fait pas en paix. La vive mal, la vive stress. La prend jouement dans mes mari par exemple. Li nan toute qualité problème. Bon vinn jwenn si en plus. Li regrette que le pote petit là. Li pa arrive, li regrette que le pa retire petit ça. C'est-à-dire que qu'il y a la vive avec une série de remords. Toute sensation ça va la vivre là et en psychologie de l'enfant
et recherche qui fait actuellement démontre que tout rivé jeune petit monde et il y a des petits monde qui fait côté le sortir hein, même l'être là maman va aller le parler. Ça veut dire il est déjà en crise depuis côté le fait là côté le bébé le sortir hein, il parler parce que l'étape vive déjà non sorte de répulsion de la part de maman et l'elle sorti li tout bébé il déjà commencé à réagir tout monde ça capable tout mentir toute reste ville et 5 années c'est clair que il est important pour l'état pour famille pour société ta considérer comme moment pour investir plus parce que c'est fondation c'est base. Et facteur, tout facteur, par exemple, facteur environnemental, facteur économique, facteur psychologique, il y a quelqu'un moins effet lorsque, au départ, toutes conditions sont réunies pour que tout le monde bien dérapé dans la vie. Ça veut dire que de recevoir valeur que la société a prôné. Les recevoir comment la recevoir dans le modèle que parents a bali l'elle a levé tout ça que société a mais kembe comme valeur li ou elle déjà dans maman lak papal maman lak papal a vivre en façon assez stable et côté que va courir monter courir descendre côté que li gen temps passé avec maman lak papal. Après l'école, il y a un temps pour ne pas parler de kindergarten, mais il y a un temps de qualité. Parce qu'il y a un temps, de qualité que passer avec les parents. Et il y a un peu de chance pour, lorsque toutes conditions sont réunies, pour que l'y parer pour faire face à des situations qui peuvent venir plus devant. Mais lorsque la base n'a pas bien géré, n'a pas songé. En psychologie de l'enfant et de l'adolescent, tout le monde connaît qu'en période, c'est une période de crise, pour quel que soit le monde. Que le tape vive bien, que toutes conditions étaient réunies, que vous pas réunis, les vous pas réunis, vous allez venir plus mal. Mais, gagnant l'âge, si vous arrivez là, vous venez à l'adolescence, son bagage naturel pour venir rentrer en rébellion. Un petit monde qui n'a pas passé phase ça, phase rébellion, c'est un petit monde qui gagne. Quand même, il y a des choses qui ne peuvent pas bien marcher, et ou bien dans l'éducation, il y a des failles. Mais tout le monde, normalement, supposé qu'il y a une phase de rébellion que vous vivez par rapport à l'environnement, par rapport à grand monde, par rapport à toutes les choses. Phase de rébellion, ça, il est supposé bien gérer parce que c'est une phase sensible, jusqu'à ce que tout le monde vienne faire la paix avec le caractère, et puis pour continuer à fonctionner. Puis devant de manière stable. Mais lorsque base là est mal construite et pendant que l'a grandi, quand le problème a augmenté, problème parce que c'est sûr que le problème en général, lorsque pas grand rien fait pour résoudre, c'est empiré ou empiré. Et bien puis devant, les gens arrivent dans phase de rébellion ça à 14, 15, 16 ans que l'a apporté en adolescence. Et bien très souvent, tout le monde ça vient livrer à eux-mêmes. Il n'y a pas de temps et solide, comme si il a fait acquisition solide de valeurs société. Il n'y a pas de temps préparé et il vient à faire face maintenant à ce qui passe dans eux qui sont en crise et naturelle. Et en plus, lorsque en dehors de la maturité psychologique, lorsque dans l'environnement, la situation n'est pas bon tout, OK, et bien tout le monde ça, il risque, il y a un candidat facile pour, par exemple, un autre qui n'a fumé, qui a invité le fumé, un autre qui n'a alcool, qui a invité le boire. Et étant donné que le pape bien, il n'y a pas de modèle de la Kaili, conditions économiques ont des problèmes, et bien tout le monde ça, il risque. Facilement capable d'entraîner et à ce moment-là, lorsque l'entraîneur doit entraîner l'alcool, l'entraîneur toute qualité de bagarre, il est capable de tomber dans des délinquances juvéniles, côté qu'il est capable de faire des actions qui illégales
qui est immoral, que normalement la loi t'a supposé punir lorsque son adulte qui fait, eh bien, il vient créer un problème dans la société à côté que il est obligé à gérer des petits mouns qui en situation, qui en conflit avec la loi. Donc, et là, une situation ça, lorsque toutes mauvaises conditions ça réunit dans pays, par exemple en Haïti actuellement, nous avons une situation ça en pile côté que nous avons pile par an, cap les petits mouns dans des conditions côté que ils sont pas capables d'assumer responsabilité dès les premières années et dans petits mouns. Eh bien, puis devant, tout le monde a tombé dans la société. Il a commencé grand, il a 14, 15, 16 ans, eh bien, il a facilement tombé dans toute qualité de dérive qui pral mené dans des actions, qu'on peut qualifier des actions délinquantes et qui viennent tout un problème pour l'État à gérer, en plus de problèmes que l'État a déjà gagné, qu'il n'a pas qu'à résoudre. Donc, c'est grave. Vlad Figaro. Oui, on va aller très, très, très intéressant et on est capable de dire une belle. Comment nous dit présenter nos liens. Donc, l'idée échafauder notre trajectoire qui menait à ça, nous carré les délinquants juvéniles. On a le petit paramètre que nous avons ajouté tout. Peut-être, moi-même, comme comparer certaines sociétés, vu que nous apprenons un peu en large et puis un peu en particulier par rapport à Haïti, il y a un autre facteur que nous dénoter. Des déséquilibres avec les cas socio-économiques et tout. Parce qu'aucun autre pays que dit qu'ils peuvent, mais si effectivement pas gain en pile d'écart là d'année entre Mambio ou vive délinquance juvénile, ça moins grave. Donc, à prendre exemple, quand Cuba, côté, même si nous pas gain chiffio, bruit et quelques statistiques et images que laissent nous paraître de société, ça par exemple, sont sociétés qui sont beaucoup plus égalitaires et donc qui gagnent moins. Et qui visiblement gagne moins de délinquance juvénile que d'Arabie des États-Unis ou Haïti, côté écart vraiment très grand entre ça qui gagne et ça qui pas gagne, entre comment famille est constituée, entre plaisir et équilibre que nous sommes capables d'espérer. Et j'en ai dit ce petit là, une fois que on s'est dit étapes ratées, pas seulement depuis étape 0 à 5 ans, mais tout au long, nous sommes capables de dire que nous n'avons plus tendre vers une accréditation de modèles négatifs ou de contre-valeurs qui fait que nous avons privé à des comportements, des habitudes qui allaient à l'égard de la loi. Illégal, je ne l'ai pas, mais c'est des bagailles tout qui littéralement allaient contre autrui ou contre eux-mêmes, contre le bien d'autrui. Donc, pensez que là, nous dit bien cerner et bien montrer nous chemin qui menait à ça, ou du moins causio. Donc, c'est sûr, capable de gagner différents autres, nous capable d'aller au cas par cas, et puis parfois, Jean, où tu commencé à dire là, vous dites, ben, voilà comment. C'est pas tout le monde qui c'est pas tout jeune qui a sorti dans cité difficile au Gankou, village de Dieu, cité de l'Éternel et autres zones qui reconnues ou cité soleil pour gagner un haut taux de criminalité là-dedans Kounia là ou gagner des monde qui va gagner des réflexes de survie et puis qui va le quitter, ça qui malheureusement va quitter là, ça va me dire que petit lien, même s'il a gardé petit monde qui va le grandir, même si effectivement il est exposé à modèle ça yo que il va le prendre yo, mais statistiquement, chance d'un pied élevé pour que des jeunes qui sont élevés dans le quartier Sayo t'as tombé et t'as capable de dire refait ou même chez Sayo. Donc, objectif là, dans le premier temps, je pensais c'est peut-être proposer plus de valeurs intéressantes pour essayer casser influence négative ça et puis infléchir nombre de modèles négatifs qui t'a capable de présenter dans la société entre autres. Avant Yves Lagnaguer reprend encore là, permettez-moi et tout ajouter un petit peu sur ça qui va vous dire là et différence qui compte fait dans la situation qui pareil, qui a mené vers des actes de délinquance et qui a aidé des jeunes,
Différence qui compte faire est que tel groupe de jeunes pas arrivé dans le même niveau avec tel groupe de jeunes que c'est dans telle autre zone, c'est qu'on différence économique, on va l'expliquer nouveau qui ça. Par exemple, l'autre quartier, nous sommes cités là, yo, Village de Dieu, Bel Air, et Cité Soleil, Grand-Ravine, en Haïti. Dans cette zone, ça, yo, on a besoin de petits mouns pour plusieurs raisons qui ont tombé dans des situations qui, c'est terrain, et délinquance juvénile là, c'est terrain de chasse délinquance juvénile là. Même gens, leur montée et Thomasin, leur montée Vivi Michel, leur montée Belleville, leur aller dans des quartiers Paco, des quartiers plus ou moins réputés, plus ou moins fréquentés, habités par des gens avec plus moyens. Ou jeune dans même zone ça qui tombe dans même dérive par exemple l'alcool la drogue mais on doit joindre moins cas de ces monde qui sortent dans zone et comme d'adou et opulent ça qui passaient de drogue et alcool et puis qui passaient dans l'illégalité comme d'adou dans tout le monde dans voler dans craser dans kidnapper on doit joindre moins. Raison, c'est pas. Il y en a même bagaille, mais ou quand la jeune mousse, raison, c'est tout simplement que si jeune ça yo, qui n'a sac pas bon, qui n'a dérive dans la zone ça yo, y a moins de frustration financière. C'est-à-dire que y a moyen pour commencer pour acheter boss là. Y a moyen pour une belle machine sans y pas voler, sans y pas kidnapper un monde. Il y a des moyens pour faire des bagages. Tandis que les jeunes qui ont même dérive ça dans une zone difficile, ils ont même besoin même facilité, mais ils n'ont pas de moyens. Donc, ça mène facilement vers des actes qui vous permettent que arrivent à tête des moyens, ça, même là, ils connaissent, ils risquent de tomber en bas de la police, ils risquent et en quantité de problèmes. Donc, mais différence financière là qu'on fait que qu'on continue à cacher ça qui passe en haut et même Mounio même yo cache yo aide dans cacher parce que yo ka protéger dit Mounio yo ba yo ça a besoin yo quitter yo jouer tout ça jouer et puis yo ba l'arrêter fermé par exemple même qu'on est moun qu'on pas trop connaît ça qui passe là quand même ça pendant que y a fait des bagages qui très graves mais ça pas trop parler mais en bas c'est ba spectaculaire parce que les Mounio les petits jeunes dans cette situation, eh bien, ils tombent directement dans l'illégalité facilement. Et puis à ce moment-là, tout le monde ouelle. Mais en réalité, c'est même crise à vivre avec tout le monde qui sort dans la zone UPE. Yes, moi, c'est ça. Et puis, nous avons des racines problèmes. Racines problèmes, c'est en pile là-dedans, ils vivent dans des familles. You know, ça nous a capable de familles brisées, broken families, côté l'absence de papa, ou du moins, même le papa présent, l'absent, il présent, mais l'absent. Il dit pas qu'on a rien qu'à passer, ça va qu'à lui, ça qu'à passer, si tu gardes des matchs, après, tu gardes des matchs, et puis fini, ou bien boire clair, ou bien boire taffia, whatever. Sur leur structure famille, là. Li brise kon sa, l'affecte ti moun nan. Paske ti moun nan pa jwen atensyon ke li bezwen. Ti moun nan bezwen. E l'amou du pèr, si se ti gason, li bezwen. E amou papa pou tof ki tof lan pou li. Paske se sol, se sa fèm gen problem gen de fwa. J'ai du mal à comprendre gen de moun ap di. C'est moi ni papa ni maman. Non, 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 on va tous les deux à la fois. Parce que quand papa fait présence papa dans le cas, il y a des bails et si même les envies font bail, il va faire. So, l'amour tof papa a présenté. Hein? Et puis, avec si mon garçon, non, hey, petit garçon, levé, man, à 6 h du matin, si, 8 h dans le carbone, toujours, vous levez, vous râlez dans le lit. À son papa, c'est même petit, dit Dieu sa balma et on l'a moutof. Bien que nous pouvons arriver dans l'abus, parce que l'abus a affecté ça, tout délinquant juvénile. Mais maman,
présence maman dans canal équilibré li. Il dit papa les consacre ti chéri et puis il prend petite nan. So équilibre de l'amour ça fait ti moun nan un certain équilibre. So you know problème famille brisée en causé du tort et causé délinquance du venin. Gon manque de communication tout. Manque de communication, éducation a beaucoup à voir là-dessus parce que et recherche prouvée que un monde qui moins éduqué en capacité d'utiliser 200 mots dans une heure de temps on l'autre lui-même qui est éduqué d'utiliser même 4000 mots so et manque de communication tout bagage ça ce sont des choses qui affectent et timoun ou pas communiquer gen moun qui communique même jan timoun là la garder pour le violence qu'a fait dans kay là répondre à madame moun c'est bruit qu'a fait gens de bagage ça autant de bagage un manque d'argent là et un manque de finance tout ou faire se toucher là vous comprenez timoun n'a pas joindre gen de bagage. On t'a parlé des machines d'aller des bagages les plus simples et les plus rudimentaires que tout le monde était capable besoin pas qu'à joindre et au conjoint que tout le monde a une tendance pour la vendre drogue et très tôt parce que il y a envie gagner ou pas qu'à gagner là on monde il participer dans gang tout parce que il sentit que gang là est entouré en plus son. Et puis il y a un manque d'entraînement social et moral tout des éthiques qu'on pas rien temps pour bailler tout monde là parce que vous voyez au travail ou à payer travail tout temps qui existait sont pas rien overtime time and a half time c'est pas sont pas rien temps on pense économiquement et on lutter on struggle. So obligé faire bagage ça pour capable kembe foyer hein. So conséquemment manque de communication tout bagage ça yo problème économique low income j'aime t'a parler hein child care côté ti moun nan fait première et cinq première année ou joint deux premières ou trois premières années autant de bagage là on vini ti moun nan a ba ou à 18 ans des bagages que ou joint ça avant 18 ans n'a fait des bagages rébellion ti jan et tout ti moun rebelle à live ça vraiment mais gen rébellion ni just si ça relé la act out et peut-être manque de saleté de gen ou le bac à joindre yo et puis l'obligé à passer li you know dans société et puis bay plus problème. OK. Et moi m'a fait connait que moi fait et grandi dans une famille monoparentale côté que c'est ma maman qui James pas mais moi qui papa et maman donc maman et sous ça James t'a dit aller à de et responsabilité papa dans Kayla autorité et paternelle là dernièrement m'a regardé un film et qui fait à partir d'une histoire vraie sur Bagdad et puis qu'on a été un groupe et dans l'armée dans la police là et ça qui fait partie de SWAT et puis mais c'est SWAT qui était toujours capable et affronter et quand adversaire et puis qu'on a un jeune petit policier qu'on a qui était en difficulté et puis monsieur Soitio vient accompagner lui et puis au prendre et puis intégrer parmi eux parce que ouais, monsieur compte tirer et puis il gagne volonté et puis mais c'est une embuscade policière à te prendre vous voulez parler de ça pour capable bien comprendre ça me dit ça son embuscade il te prend et puis qu'on a monsieur Soitio vient aider qu'on a après la a pour remercier et commandant le fait que il sauver la ville. Et puis commandant m'a dit monsieur depuis qu'il est pas pour mourir. Qu'on a dit oh t'es con papa. Il dit sous genre parler à ça montrer sûrement qu'on levait pas en femme. Parce que trop gentil. Qu'on dit merci tout le temps après les monsieur tout le temps. Et l'âme de blériver. Donc lorsque grand et femme dans lorsque grandit un petit monde après bon niveau bon certaine sagesse.
que il vient mettre la Haïti moun nan. Et m'a rappelé nous que nous dit en Haïti et pour une raison pour l'autre internet fait le défaut là et il est tombé. Donc alors que s'il te gen pas parler ensemble avec lui, c'est ça que commandant te voulait faire connaître. S'il te gen pas parler ensemble avec lui, il pas tape et aussi gentil. Surtout dans la police, il pas tape aussi gentil, il tape et donc c'est là que je devais arriver et sous aspect et paternel là. Et en ce qui concerne l'environnement que nous avons parlé tout à l'heure, les James et Vlad et nous vivons dans un pays étranger, nous comprenons ça. Par contre, si nous faisons analyse, aux États-Unis ou bien avec le Canada, après la majorité et race qui est en prison c'est noir. Et l'eau aller dans structure yo, et dans société a pas étonnant que environnement côté noyau yo a vivre là li pour beaucoup dans et dans ça qui occasionné que noir ça yo obligé dans prison qu'on y a yo livré à l'élégance juvénile. Un l'on entre dans quartier noir ça au fait une structure là mettre en place où est que quartier noir là gagné ou bien tout bordel yo bon côté là. Ou jwenn un petit boutique côté qui a vendre drogue là-dedans, y a vendre alcool, y a vendre cigarette. Alors que l'arrivée dans quartier blanc pour blanc, c'est pas que petit blanc, il pas non ça non, mais depuis l'environnement bon la kaylia, yo limité. Ou après bah ça pour ta jeune, il faut qu'il t'aller pour ta conduire n'importe et 5 miles. Pour arriver à un côté qui a vendre alcool, pour arriver à un côté qui a vendre drogue, pour arriver à un côté qui a vendre cigarette. Bah on si nous faisons remarque ça, et James Bond avec Vlad, bah on si nous faisons remarque ça, en ce qui concerne l'environnement. Jusqu'à présent, deux bagailles. Jusqu'à présent, tout le monde doit poser question ça, mais pour qui ça, dans chaque quartier, ça y est, où joindre des. Ou jwen den moun kam, ou jwen nan chak kache popule sa, low income sa yo, toujou nan chak kaf ou jwen an kote pou an ache bier. An kopran, pa gen chimis kap vil nan zon nan, men toujou gen krak. O krak nan son bagay yo fe nan laboratoire, mou pa gen chimis, e... pa gen laboratoire nan zon nan, men gen krak nan zon nan. So se pote ou bay ou ke tu le ve ou nan se sak fet. Bagay sa nou jwen li tre. Men a kote de bagay sa ou, bon bon lot faktor, nan gen tan pale de yo, de manje mal, on kompren sa map jo lan, lor pa manje mal, tout bagay sa so afekte, de jan papo ap trete maman nan ka nan. Gen de fwa l kon bon tou pou pa menm gen papa nan ka nan. Si l pou al mal trete maman. Tan pou ti moun ap gade spektak sa. Ti gason we, se jan pou jere problem ni, se gouman an moun, rele son moun, baton moun. Ou kopran? E pi ti fiyan menm, we se normal tou pou mwete la kon gason kon ka lot. So so tan de bagay kap pase devan ti moun nan, ki gen do a fwete. Bagay sa yo. E pi, opotunite ekonomik yo vajwen nan tout bagay sa yo. So, mwen me touche problem yo pwese goun bon bagay kap rive nou, ki rive yo pa rive o azar. Gen, jan mou dil nan, mdap diyo nan, ou gen dwa gade zip kodon moun, e pou konen ki jan direksyon la vi. La, a kelkouz eksepsyon pre, gen moun, ok, ki bien, ankadre, menm jan, ou gen dwa fet, e nan kache ou tap site nan yo, ou kon sa map jo nan, men kache an pa fet nan ou, ou kon sa map jo nan. So, ou bien ankadreman, epi tout bay sa yo, faktor si ti moun sa leve nan environman, religion, ban lot bagay, fami, ou bien extended family, fami etan du kote gen gran men, matan, tout lot moun la, paswe it takes a village, li pou an village pou kapab levon ti moun. Nou gen yon zami ki talè, ki te sou Facebook la, ki te touve suje telman enteresan e ki te vle e bay pou patisipe. E dok nou
et Metelli et Nashua. N'a dit bienvenue à Pierre-Étienne qui est un vétéran et dans l'armée américaine. Salut Étienne. Et Vlad, et nous saluons Vladimir Naguère, nous saluons du guerrier, et mon visage qui pas connu du tout, me déconnoué dans la télévision Haïti, ça c'est Vladimir Figaro. Oui. Et puis, mon autre visage, je ne sais pas, non, non. Et James. C'est James Saint-Paul. C'est James Saint-Paul. Nous saluons James Saint-Paul, nous saluons tout le monde sur le panel, Vlad, et nous saluons même et on dissipe l'école. Nous saluons la première chose pour gros chose ça va faire et chaque dimanche et puis spécialement même avec et monsieur Figaro nous toujours en ligne pour nous et faire chose ça n'a instruit le public là nous porter des messages qui très intéressants et moi dis nous et moi ben un peu de respect pour ça c'est pas facile pour joindre monde qui fait message et positif parce que dans la communauté noire hein. Ça nous apprécions ça en pile et monsieur Guerrier nous avons fait un gros travail en Haïti tout avec Amka, n'a pas salué tout pour qu'on traverse faire et en Haïti et qu'embé Haïti est vert, nous besoin Haïti qui tout vert et n'a pas dit merci et bon pendant moi monter sur Facebook là moi son sujet qui était très intéressant moi bien si me dans et j'ai l'impression Vladimir était partagé lui même pas trop ça me tellement bon chemin qui occupé ça son sujet qui intéressait moi pile parce que moi-même moi étudié en anglais ça on dit Criminal Justice Administration. Et moi écrit un pile papier, dès qu'on a écrit un pile papier dans justice, dans et justice et excusez-moi, dans et juvénal et ça oui en anglais juvenile delinquency. Et moi écrit un pile papier. Oui, délinquance juvénile, moi écrit un pile papier dans ça et moi était qu'on fait un pile débat sur ça et moi bien ça bien et moi bien regrette, moi pas de temps et préparé pour moi venir porter un peu l'information bas public là et comme son sujet moi était intéressé moi intégré dans ouais nous plusieurs Figaro monsieur Figaro monsieur Guerrier avec monsieur James qui t'ai fait et un peu belle approche et ça était vraiment intéressant mais et bon qui ça et juvénal et ma mon anglais qui n'a tête moi délinquance juvénale non je vais te défendre délinquance juvénale voilà qui ça délinquance juvénale et ça veut dire que c'est le plus souvent son petit monde qui est coincé à partir de l'âge de donc on dit même 7 ans jusqu'à 18 ans qui commet un crime que un monde qui est adulte et t'a qu'on habitue commettre yo juste considéré tout le monde en tant que yo délinquant. OK, mais le plus souvent moi t'apprends nous bail plusieurs régions là toute région ça oui là nous met tout ensemble vraiment vrai nous c'est qu'en pile région et qui qu'on fait tout le monde en tourner un délinquant et nous gagne dans monde gagne en pile dans nous dit que zip code ça veut dire que dans zone nous rété oui ça c'est vrai et moyen économique comparant pas toutes les canons et Vladimir te dit tout grand pile tout le monde qui fait dans ghetto en Haïti ou bien ghetto dans n'importe pays qui sortit bien qui sortit bien qui excellent l'école qui fait un pile bon travail OK et puis nous gagne pile et famille qui côté que le divorce ça c'est une bagaille qui qu'on causer tout monde vinn délinquant tout ni ti fini ti garçon côté que ka wè yon nan et parents soit maman abandonné papa ou elle aller li quitter timoun avec et timoun avec papa seulement bien papa abandonné li quitter timoun avec maman ça qu'on cause un timoun vinn grand pile problème parce que nan et nan l'âge petit comme monsieur Guerrier Vladimir Laguerre te dit ça avec monsieur James nous te dit que entre 1 à 5 ans ça c'est chance nous gagne pour nous mettre fondation dans timoun yo. OK. Ça veut dire que entre dans l'âge ça que timoun yo besoin pile timoun yo nous timoun besoin pile amour. En pile amour, timoun yo besoin pile amour. Ça veut dire dans l'âge ça timoun yo besoin pile attention. OK. Nous ça qu'on fait gagner maman, gagner papa, qu'a fait 2 3 4 job et pas pour n'importe raison juste pour prendre soin famille, pour payer mortgage, pour payer caillou, pour ticket timoun ça mettre dans bon l'école, pour rete dans bon zone, mais d'habitude ça qu'on rive timoun ça qu'on pas gain attention papa ou bien maman ça qu'on cause un timoun vinn délinquant vraiment malgré que doit mettre timoun dans un bon quartier dans un quartier résidentiel dans un quartier classe moyenne timoun ça gain droit vinn un délinquant parce que les timoun ça vinn pas gain attention parents les jeunes attention non mais
en anglais qu'on bail qui les peer pressure Vladimir Figaro qui me croit voir vivre Montréal ou bien Vladimir là gagne nous ca aider me ça en français pas comme on dit ça peer pressure. Voilà, voilà. Ça veut dire que tout monde ça qui à l'école et voilà, bon même moi. Tout monde ça te prend l'école ou bien qu'on dit jamais dans quartier hein qui gagne loi un petit délinquant. Tout monde ça vient gagner influence sur petit ou en côté que ou pas de temps là pour lire ou pas de temps pour parler avec elle pendant une heure par jour pour demander le comment lier leur vient travail ou fatigué ou pas même je parle à tout monde entre dans chambre ou pas même gagner temps pour tout monde ça ça qu'on fait tout monde là prend attention l'autre côté ça que fait sou pa gete formé ti moun nou bien en live ça OK c'est kounya là par exemple moi même pas dit que m'pa vle par exemple tête moi par exemple m'pa dit que maman papa me formé ça veut dire que m'c'est pi mon ti moun sur la terre même songe l'aime d'ap grandi maman ma papa en tant que chrétien ça veut dire que depuis à l'âge petit et kounya m'vin comprendre ça pendant grand monde là était toujours qu'on m'a dit que m'pa l'école dans quartier m'pa rencontrer des amis qui parle dit m'en fumer on fait ceci on fait cela mais j'étais en médecin dans tête moi. Et ça fait long monde te connait fri pendant m'a grandi vinn fumer vinn boire clean m'ai toujours peur parce que maman pas m'était dans petit bagage ça pas bon c'est qu'on a pas dans là ça moi comprendre et vraiment vrai le regarder ouais bagage ça on petit monde qui commençait à boire à fumer dans l'âge petit comme ça et qu'on arrive dans l'âge il commençait essayer cigarette marijuana monde ça qu'on tombe à la vinn la faire gros drogue qui vient pas bon pour santé qui vient faire petit monde ça pas gain capacité pour apprendre l'école pour le focus et puis nous est tout bagage ça vinn konn mené ti moun nan tout vinn pas gain pas vinn et terminer l'école classically OK ça veut dire que vinn pas arriver non classe côté que pour aller à l'université pour vinn apprendre un métier pour aller travailler konn a l'autre ti moun ça vinn pas bien formé pas gain éducation li nan la rue li vinn obligé et zanmi li vinn gain autour ses amis qui délinquent tout OK qui même j'avais li obligé dans la rue yo a boire ya pour éclairer, il a fait drogue, il a joué hasard et puis le petit monde ça qu'on fin pas gain cob. Yo pas travail et on dans la rue, qui ça pour yo vinn faire? Yo obligé la gain en voler, petit monde ça au final dans prison. Ça veut dire que vite petit monde ça non sens li vinn gâcher. Et puis nous t'ai parlé de divorce tout et non seulement divorce tout, ça qu'on rive tout, on papa mourir non l'âge petit. Ça veut dire que si c'est papa de mourir, ça veut dire faut maman ça faire en pile attention Jean la bleu petit monde ça. Ou bien si c'est maman de mourir, faut papa faire un Jean pour le petit monde attention spéciale ou bien des fois bon, même après culture haïtienne non, mais en général ça qu'on rive, on petit monde perd dit un parent yo pendant petit an et ça fait le ta bon, mais dans culture pas non pas quoi non, mais petit monde à docteur ou psychologue, ça veut dire petit monde ça a besoin évaluation psychologique. OK ça veut dire tout monde ça a besoin un docteur qui parle avec elle qui peut savoir s'il a un problème juste pour aider les petits monde ça vient grandir pour choc ça pas tellement vient affecter petit monde par exemple petit monde qui vient abuser drogue vient prendre série de et prendre série de graines et qui dans la rue qui pas tellement bon pour lui nous en général il y a en pile bagaille qui qu'on vient affecter et yon la vie yon ti moun et puis yon l'autre bagarre encore si ou nan parent sa yo soit maman bien papa pa abuser drogue devant ti moun nan kailan ça gen doit faire ti moun nan vin tout non vin délinquant tout et si nou soit papa a abuser maman a bat ti moun nan et pas bat ti moun nan non a bat et madame nan devant ti moun nan ça capable faire ti moun ça vin grandir penser que bat yon moun goumen son bagarre normal ça veut dire que nous avons en pile bagay, nous avons en pile bagay, nous capable mettre ensemble qui vient faire causer yon qui vient faire un petit monde venir et délinquant et dans ville. Ça en gros, c'est ça me cap dit et puis nous ca partager plus idées ensemble et m'tan bien aimé là pendant un petit temps pour qu'on partager idées avec nous. Merci en pile. Merci Étienne et Nodi. Oui, moi à excusez-moi devant tout le monde qui va parce que gagne une demande que je voulais faire bien sûr moi connais que Vladimir est au courant de ça Vladimir la guerre mais comme moi Jean Balé là nous risquons de finir l'émission non dit et justement parce que nous pas c'est fin émission parce que nous étions supposés finir à 3h pour nous commencer à 2h finir à 3h mais malheureusement et compte tenu que et te gen ti retard et bon côté James nous te prend 10 minutes en retard donc il est en 3h11 c'était supposé vers la fin mais et son sujet qu'on a obligé retourner sous lit
et on l'autre jour parce que il y a pile l'autre aspect qui m'a été cerné et surtout On va parce arrêter de me que finir, non? non t'as le mérité cerné donc n'a pas pour nous tourner sous les tout et James qui gagne pour le déplacer tout parce que James gagne pour le travail donc Non, moi moi, c'est je que vais James qui déplacer, t'a je vais déplacé déplacer. mais et m'a Et... bien sous ça pour le parler hein? Ah, ok. M'a bien sous Ah ça pour bon, le ok. parler hein? Deux heures sous Et là. c'est pour ça que je me stoppe parce que moi quoi de lui et nous connaît que et une période n'a vivre qu'on a son période de fin d'année une période de ouvert parenthèse à pour nous dire parce que nous pas qu'à finir l'émission sans que ne pas parler de ça son période de fin d'année son période que et de partage et ça de sortir dans le cœur et de l'amour donc c'est dans cas ça que Amka et décidé pour lancer une campagne et l'amour et qui ça encore et L'amour pour Haïtien. l'amour pour Haïtien. Donc est-ce qu'au cabanon et beaucoup plus de détails et nous dit et sous campagne là. OK. Merci. Encore une fois, et tout notre même panel là, et m'a excusé, mais si à cause de moi, nous obligés pour un petit coup pour tomber dans l'autre sujet. Et Bon, parce que dès le départ, moi, j'étais. et bon, gros qu'oublier parce que l'amour est Tout à fait, tout haïtien. à fait, tout à fait. D'ailleurs, on va continuer, on Ça va fait faire partie un du délai quand tout. lien justement entre Entre ça l'amour, avec la oui. question de l'école juvénile. Là. Et de l'école juvénile, là, il y a un parc, m'a privé, oui, sous sujet, mais qui me font un petit lien. Il y a un facteur que nous n'avons pas trop parlé. Monsieur Saint-Paul semblait te commencer à parler de ça, mais pendant que j'ai une coupure là, je suspecte que tu parlais de ça, pour ça me détendre de dire, même pas te connaître si c'est de ça. Il y a un facteur, l'injustice sociale, qui est responsable d'un pile de dégâts dans tout le pays sur la terre, en Haïti en particulier, et aux États-Unis énormément. Par exemple, les nous regardons la quantité de blacks, nous t'entendons parler de ça, qui est en prison, quantité de jeunes blacks. Par rapport à la quantité de jeunes et l'autre ratio qui est dans la situation de délinquance juvénile, il certainement pas lié seulement à des facteurs qui sortent dans la famille, dans la zone, qui sortent dans la société, c'est des bagages sociétales, c'est des failles sociétales. Donc, injustice sociale est sortie dans des mauvaises décisions qui comprennent tout au plus haut niveau des États. Et qui fait que les richesses sont mal distribuées et qui fait que une quantité de monde qui très souvent retrouvent dans obligation presque pour fonctionner de manière déviante à cause de frustration que vous vivez. Maintenant, et pour arriver dans la campagne de l'amour, eh bien, nous-mêmes, dans la réflexion, en fait, AMCA, c'est une association. C'est une organisation non gouvernementale haïtienne qui prend naissance depuis 2 ans, près de 2 ans, et qui travaille dans le domaine reboisement, dans le domaine appui au secteur agricole et dans le domaine éducation à la citoyenneté. Campagne l'amour pour haïtien, c'est une action qui a fait dans le cadre du programme éducation à la citoyenneté. Parce que nous, d'après la façon dont nous comprenons la quantité de problèmes que nous vivons en Haïti, nous rendons compte que nous sommes sortis très loin depuis nos problèmes d'identité. Nous avons parlé de ça déjà dans l'émission. Que les Haïtiens pas assumé l'identité. Vrai que nous ne pas jamais senti nous faire l'un avec l'autre, nous sommes seuls. Et problème d'identité, ça, nous mené dans. À cause de formation, éducation que nous avons vécu, nous avons un système éducatif défaillant qu'il a depuis 200 ans pratiquement dans le pays, qui n'a pas formé le monde vraiment comme ce qui a une formation antinationale et qui vient faire que l'Haïtien développé au fil des décennies, au fil des ans, développé des sentiments côté que l'Haïtien pas remis tête li et le pas remis Haïtien. Et n'a pas remis tête nous pour remettre l'autre là, il faut remettre tout. Et vice-versa.
et c'est comme la poule et l'œuf, et on va dire ça qui vient avant, mais pas rien une sans l'autre. Amour de soi, amour de l'autre. Donc, et nous, conscients que nous avons un problème sérieux de l'amour dans le pays, nous ne parlons pas assez en Haïti. C'est-à-dire, nous ne parlons pas tête, nous ne parlons pas Haïti, pareil nous. Nous ne parlons pas relief, nous ne parlons pas histoire, nous ne parlons pas bagages qui sont dans le pays, nous, produits locaux. En pile, tout ça qui prend nous-mêmes, nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas pays. Et dans pas même pays, nous venons rarement en situation pour nous mettre intérêt supérieur pays avant. Et le fait que nous pas quand même intérêt supérieur pays avant, ça vient faire que toute suite de gouvernement qui a passé là dans le pays d'Haïti, eh bien, décision très souvent pas prendre dans le sens majorité, dans le sens intérêt de commun. Donc, nous dit que faut commencer par l'amour, hein, pour haïtien apprendre à mettre tête, pour qu'à remettre l'autre. Pareil, et finalement pour qu'il baille l'amour pour pays. C'est ça que c'est dans le cadre de ça, nous dit, nous avons lancé un challenge que nous avons appelé campagne l'amour pour haïtien, mais qui à l'étranger tout. Campagne l'amour pour haïtien, c'est un petit geste que nous avons demandé à haïtien faire dans la fin d'année. Un petit geste qui c'est offrir un cadeau. Ba yon moun ke ou pa doué an yen. Ba yon haïtien ke ou pa doué an yen. Et avait dit nous retirer tout ça qu'on ta capable faire à moun ko doué, par exemple ou doué petit tout, doué femme ou doué ménage ou doué mari ou maman etc., frère sœur. Nous retirer tout ça, nous dit que au-delà de tout ça, l'important pour que nous encourager haïtien pour développer des attitudes positives par rapport à tout haïtien en général. Donc, nous disons que pour fin d'année, nous avons invité chaque haïtien qui est intéressé à challenge ça pour que vous entrez dans la campagne l'amour pour Haïti. À qui ça lie, c'est tout simplement décider que vous avez fait un haïtien qu'on va doué un rien, qu'on n'a pas même jamais reconnaître pour faire un cadeau pour fin d'année. Et cadeau à faire là, pour l'accompagner de un geste positif. Lui mettons la main, lui mettons passer main sous épaule. Lui mettre comme si on geste quelconque et accompagner tout de un mot de la part de moun kap baye la, un mot d'amour. Dans le sens que, mon cher, même si je ne reconnais pas, je fais un cadeau plus ça parce que je me mets comme haïtien pareil. Bon exemple, chaque monde capable d'utiliser mot pareil pour exprimer ça. Donc, campagne a lancé depuis il y a de ça moins d'une semaine. Li lancé et chaque haïtien qui est intéressé participer dans la campagne ça capable participer et il y a plusieurs façons de participer ou capable tout simplement faire geste là dans l'anonymat pour qu'on tout nous pas même besoin qu'on ait tout comme ou capable faire geste là et pour faire nous connaître comment faire nous connaître c'est que ou voyez ou faire on l'autre ami font une vidéo bah ou que toi faire bel geste ça avant haïtien pour pas de rien et vidéo ça nous va sélectionner nous-mêmes à partir de toute vidéo n'a recevoir nous va faire un documentaire sous geste positif haïtien ta doit régulièrement apprendre faire envers haïtien pareil et gon l'autre façon encore qu'à participer ou capable présent avec nous dans clôture qu'a fait 27 décembre côté que n'a réuni un certain nombre de démunis dans le pays, dans l'espace que nous avons choisi, et nous avons invité les gens qui voulaient venir faire un cadeau à une de nous, sans qu'on ne jamais connaître, mais jouer à ou apprenez, ou n'a pas signé un monde, ou faire un cadeau, ou faire un geste d'amour, ou dire mot d'amour. Et puis tout ça, pour l'entrer dans le documentaire que nous allons faire, puis devant. Et en attendant que nous arrivions dans tout ça, il y a l'autre façon encore on peut supporter la campagne pour l'amour pour haïtien. On peut supporter dans visiter AMCA pour partager l'actualité AMCA, pour liker, son façon pour permettre l'autre monde voir. On peut capable tout décider jouer rôle ambassadeur dans la campagne ça. Et ambassadeur
C'est juste que voyons photo ba nous a conti mot pour dire que ou décider jouer rôle ambassadeur campagne là pour haïtien parce que l'idée arrivé sous et ou ML ou décider jouer rôle ambassadeur laisse à nous-mêmes n'a prend photo ça n'a pas le mettre dans une petite carte électronique côté que a un message qui accompagne photo pour dire que moins supporter campagne l'amour pour haïtien et laisser à la diaspora y en mettant un petit mot en plus pour nous montrer que c'est dans diaspora y pendant fait parce que c'est très important pour nous toujours être en contact avec tout haïtien qui dehors et ça qui est situé c'est même gens qui a participé comme ambassadeur actuellement nous avons comme ambassadeur officiel par contre nous connaît et Jean-Garmel Buto qui c'est un chanteur en bap di en herbe encore puisque j'ai chanté pendant moins de 12 ans là quoi il était remporté un concours et Caraïbes Radio et Télé Caraïbes beaucoup de chants et il continuait la fait chemin comme artiste et lycée on apprend rien mais sans pas demander rien et son belle musique et nous presque fin entendre avec BIC Jean-Jean Roosevelt René Désir et Bello nous presque fin entendre avec eux bientôt nous allons entendre qu'elle reprend chanter ça pour nous et y a là avec nous tout dans finale la cafe 27 décembre pour performer pendant merci nous dit donc moi-même et me font bon temps à vivre dans le village de Dieu donc m'ta choisi m'ta avec Izo m'ta ba Izo un cadeau donc m'a un contact Izo mon qui gen contact Izo dit Izo que moi-même voulais participer à Vel dans campagne l'amour pour haïtien donc vous voulez faire cadeau à Bali la jeune. Et yeah. C'est pour de vous voulez faire le bali maintenant bah on est comme on dit j'ai contact li et mon cap contact nous ou gen contact non pas gen elle non moun ki gen li peut-être ka fò jwenni ni et pour faire le cadeau nous même n'a juste content que nous te permettre un haïtien font l'autre haïtien un cadeau en fin d'année yeah, mais Vlad que... excusez-moi Vlad uh-huh. Mon petit Jean l'autre dit Jean pas ils autres qu'on chanter non. Non, et pas Izo qui connaît. OK. C'est un monde où tu connais pas dans vie. C'est un monde où tu connais qu'à vivre. Non, Izo qui connaît chanter, il pas fait sens dans campagne Amka parce que Izo qui connaît chanter, c'est Izo que me connaît qui grandit dans même comme petit monde. OK. Ça veut dire que Izo c'est un monde où tu connais dans quartier pendant. Non. Et d'après ça et guerrier dit et nous dit guerrier dit et campagne Amka fait qu'il est l'amour pour haïtien. Faut moun nan ke ou pa gwo ken redevans ensemble avec les son moun ko ou gen pa même kon moun nan du tout c'est un moun ke et ou pa doué lan rien ou pa doué moun nan rien tant qu'on baka point ou parce que moi ou ses zanmim et non m'tande parler de li et que mais comme moi choisi li parce que et me fait un à peu près 5 ans à vivre village de Dieu. Donc et tout thème de Télémax m'ta vivre village de Dieu. Donc me choisi puisque c'est là l'habiter et village de Dieu que ils ont habité. Donc moi-même me choisi
et moun pour me faire cadeau pam nan dans l'amour pour haïtien que amka il y a pas là puisque je dis n'a parlé de délinquance juvénile. Bon, je choisis Iso moi-même pour me faire cadeau non. Donc on moun ou ta gen contact avec Iso qui a vécu village de Dieu fait le vinga des choix et puis et dit écrit et fait un moun écrit et puis bon numéro li et puis moi-même ka faire jeune cadeau pam nan via amka. OK. Bon moi-même et pendant t'as parlé de délinquance et je et ah, mes amis bah là délinquance juvénile. OK. Ça t'a attiré attention peut-être nous même j'aime te grandir m'a pas obligé de dire ça en public des gain parents qui extraordinaire maman papa qui te fait tout possible moi-même ça t'est plus et ça fait me t'aimer et participer dans ça et monsieur Guerrier dit hein m'aimer choisir 5 timon. OK, ça veut dire que dame que ba 5 timon ça pendant Noël là pas l'entrée là pour ba chaque timon ça un cadeau qui équivaut à $20 yo chaque 5 timon de 3 garçons 2 filles pour payer m'pa konnen timon petit qui n'a qui pas plus que 10 bon m'pa konnen chaque 5 timon ça fait dame ba timon ça un cadeau j'aime dire nous peut-être même grand dire non religion qui pas de quoi dans célébrer Noël. OK. Ça te qu'on attire attention moi tout petit monde dans 4e petit monde l'école gien jouette. OK. Mais ça m'pa ba nous ça pas tellement qu'on fait malon mais m'connais tout petit monde a petit tonton, petit machine, petit bail à jouer et puis tout pendant ce temps que moi même a petit chemio nous pas gien poupée, nous pas gien jouette. J'aime dire non maman pas me fait un bon travail tellement te préparé pour ça, ça pas de bon problème. Même gien zanmi ça te qu'on bail problème. OK. Et qu'on a pendant me fin grand comprendre et faire un petit jouette. Et ça fait petit moi toujours même que je me bats mon jouet pour être content dans mes choisir 5 timon pendant et Noël pour arriver hein pour ba un petit cadeau parce que je me change l'aime d'ab grandir gen timon dans quartier gen timon mes amis t'a même gen petit cadeau pas jamais ka gen cadeau à cause de faute de et corps parents pas de bien. OK, ça veut dire dans même dans mes choisir 5 timon petit fille petit garçon mélanger et tout pour ba chaque cadeau qui équivaut à environ $20. C'est ça, c'est coordonné au Bonkebe et puis Amka. Alors, oui. Vlad, j'ai contacté mon Amka, va inquiéto. OK. Attends ça. Ah, mais si j'ai contacté ça, là, j'ai dit, ok, peut-être contact là. J'ai peut-être contact là, ok. Et bien, je connais qui est dans nous là, tout qui voulait ambassadeur pour nous, j'ai bien aimé un ambassadeur dans parmi nous et qui pour associer l'image à la campagne là. Je choisis Étienne. Je choisis Pierre-Étienne comme ambassadeur. Bon, Pierre-Étienne. Dans ce cas, Bali adresse WhatsApp, mon téléphone, mon. OK. Vous voyez une photo pour moi avec un mot qui dit. Parce que c'est un mot couvre. OK. Je dis que moi, il est tel et tel, moi, accepté participer comme ambassadeur campagne l'amour pour Haïtien. Et puis moi-même, je vais le publier. Et photo à notre carte là, il a voué le barreau pour publier sur page. All right. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous dit merci. Et parce que les gars, pendant la dernière minute, c'est son sujet que nous avons choisi à la dernière minute. Tout, et pour nous parler de lui, parce que nous jugeons que lui est important pour que nous parlions de famille et de délinquance juvénile. Il est vrai que dans le livre que Michel Borne et Pierre Thaïs ont écrit qui est les délinquances et famille, mais ils dit que les familles constituent l'agent principal de socialisation de monde. C'est juste après pour gagner professeur. Donc, c'est un monde que nous ne pouvons pas parler de eux parce que l'éducation a commencé à la maison, mais elle a continué à l'école. Donc, l'important parce que si moun nan passe en pile temps côté que il pas tant des parents mais il passe en pile temps avec professeur l'école li. Donc et pour sa professeur a dit a fait il gon gros impact tout sur la vie ti moun nan. Bon pas seulement professeur c'est Jacques Bishop James Tab dit tout à l'heure et c'est nous besoin tout un village pour grandir en ti moun. Donc l'école là institution c'est écolier là c'est un village que lié pour dire que ti moun nan pral jeune on pa kèt bon lòt ti moun ki pa sorti nan même environnement ensemble avec li ki pa gen même culture même tradition même mœurs ensemble avec li donc ça pral influencer et
Lika te sorti dans bon famille, dans bon zone, mais l'école là vient mettre vient bal coup là et fait que li lagué dans délinquance juvénile. Et ça qui fait surtout ici aux États-Unis où des ces timoun yo dans famille yo bien propre quand ils viennent à high school et là ça timoun a commencé ba un petit bail pour fumer un petit weed et puis là timoun lagué et puis il déjouer. Donc, Monsieur Figaro te dit ça, oui, en français, on te dit que dit ça, et peer pressure, on te bat une expression ça. Ça, c'est ça, au jeune, à l'école, en pile peer pressure, au jeune, en pile l'école. Donc, nous espérons après tourner sur un sujet comme ça, et peut-être dans le début de l'année 2021, on va parler de lui, davantage, et nous allons gagner plus tantôt. Donc, nous voulons dire tout le monde merci, et Vlad Figaro. Et on pas choisi moun pour là et pour bay cadeau dans mon poisson. Donc oui, n'a pas en Haïti quand même. Quand même, oui, quand même. Donc et nous capable et c'est vrai que et monsieur yo, Michel et Pierre dans livre yo parlé que et façon que capable résoudre le problème de délinquance c'est yo parlé de l'amour ensemble avec éducation et autorité et parentale là et gagner et Jean Caz qui sont criminologues haïtiens lui-même qui dit que c'est absence et parents qui absent qui tolérant qui pas un contrôle et sous timon yo mais en dépit de tout ça gagne responsabilité l'état et tout parce que et inacceptable pour un pays tant que Haïti pour l'éducation n'est pas gratuite depuis kindergarten, Riveriska et Philo. C'est inacceptable. Donc, faut que les parents pas doué à bousquer tête, à bataille pour voir qui dans quelle école ils vont mettre petit. Et donc, travail là-dedans, l'important n'est pas de bas économique là. Et bah c'est que job par l'État, certes, l'État parle pas car lui-même bah tout le monde travaille dans le pays là. Mais ça l'état doit faire pour tout le monde qui a un travail dans le pays, c'est stabilité. C'est job par l'état pour créer stabilité dans le pays, pour un pays, pour payer une sécurité, comme ça pour le monde capable d'investir là-dedans. Et diaspora suffit. Diaspora suffit pour faire Haïti avancer. Nous n'avons pas besoin d'aide aucun autre pays. Non? Nous suffit dans la diaspora pour être capable de développer la caillou. Mais il faut une stabilité et politique. Il faut que le pays ait une sécurité. Donc, si l'État baille minimum ça, stabilité ça, ça permet que un monde qui sort dans la diaspora, on dit bon, mal implantons l'école dans le village de Dieu. Moi, je prends espace qui est sous bicentenaire, on crée une entreprise là pour les jeunes capables de travailler. Même compte et tout ça qu'a fait. Mais quand même, gagner yon pas de responsabilité de la part de l'autorité qui doit faire. Nous pas dire au fait toute bagaille. Et si l'état ba stabilité ça, moun ki gen moyen économique nan mer yo, y a capable de créer d'emploi. Parce que il pas fait sens sou fin créer business ou et puis le gars doit essayer on est pas être mettre difficile là-dedans. Ou fin acheter une petite machine dans pépé et bon on doit pour l'île pour des manifestations des camper et puis il prend client et puis il met du fin dans machine là. Donc première action que on gen ça yo tout ça yo causer des délinquance juvénile, gens que société a fonctionné. Nous créons une société pour nous rendre ti moun yo délinquant. Vous comprenez? Nous faisons toute façon pour payer tout le pays délinquant. Donc, dans la fin de l'année, je pense que c'est le rêve de chaque Haïtien. Je ne sais pas si un Haïtien qui vit à l'étranger ou bien en Haïti qui a remis le pays dans l'Italie. Nous tous avons l'amour pour Haïtien. Jacques Yam Kap parle, nous tous avons l'amour pour Haïtien. Donc, on concrétise l'amour ça pour Haïtien. Vous comprenez? L'amour se manifeste. Si vraiment vous voulez aimer Haïtien, on manifeste l'amour. Et pas une autre façon que nous manifester, nous supporter une autre, nous tolérer une autre, nous accompagner une autre. Donc, une façon pour moi-même, je pas faire études psychologiques ni sociologiques, mais une, pour moi-même, et délinquance juvénile, là, nous sommes capables de résoudre avec l'amour, avec partage. Nous sommes capables de faire ça.
c'est là n'a mettez fait nous dit Vlad Figaro cavalier Paul Camoin et partenaire en crime moi et merci et pour tout pour support nous pour présence nous dans choix pour idée que vous bail pour chose ça avancer et parce que on crée temps et Jacques dit au monde c'est pas choix qui paye rien pour nous mais nous juste faire parce que nous juger que l'important pour que communauté noire Haïti si tout on a fonti bail comme ça sur réseaux sociaux pays a nous capable changer et quelques bagaille dans pays a. Donc Étienne et encore merci il fait qu'on t'absuive sur Facebook là tu décidé participer et tu viens bail touche pour dans choix nous dit James qui et gain contrariété à cause faut qu'il couille au travail il était obligé de déplacer et quitter nous et avant ça il nous dit guerrier qui en Haïti qui a fait un travail excellent avec AMCA et je dis elle était très occupé mais lorsque il était en dédicace ça n'a pas parlé il dit faut qu'il là et nous dit merci tout avec Villarson qui malheureusement pas capable là avec nous aujourd'hui qui t'a parlé nous de aspect et comme étant un travail social de partie ah, ça oui. Et nous espérons que et prochaine fois là il y a présent. Donc merci à nous toutes qui t'a suivre et merci à nous toutes qui gain pour suivre chose ça. On est connecté parce que nous semblait. Oui. Merci. Nous sommes tous connectés. Oublie James. Oublie salut James tout. Ouais. Oui. James nous salue et vient nous dire et Kembela. Donc pas oublier nous tous connectés et nous tous semblés et nous tous gagnons bagaille qui m'a connait nous. C'est Haïti. Sou remé Haïti, sou fier d'être aussi haïtien. Donc on bataille pour que ça n'a vive là yo fini. Petit jodi on gagne un délinquant. On pas quoi aucun délinquant qui t'a remé petit qui soit un délinquant. Donc nous capables et nous capables changer ça, il n'a changer ça et c'est ensemble que n'a privé changer ça. Nous dit tout le monde merci et n'a souhaité nous passer une excellente fin de journée. Et dimanche prochain, nous allons parler de et bien deux soldats américains et dans Shoah. Nous allons parler comment que yon immigrant capable intégrer et l'armée américaine et qui avantage qu'il gagne sous ta intégré et l'armée américaine. Moi Pierre Etienne n'a pas gardé Babu comme un vétéran. Donc qui sont capables d'intégrer et qui sont capables d'intégrer, comment sont capables de faire ça. Et nous allons parler de tout ça et dimanche, si Dieu veut, dans Entre nous chaud. Donc, merci à nous toutes et bonne semaine. Merci. Bye. Merci. Bye. Bye. Merci. Bye. Bye.